La police, j'ai besoin d'aide. Arrête ton cirque! Comment t'as pu, Niam? Est-ce que c'est ton vrai nom, au moins? Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans ta tête! Comment t'as osé mentir pendant tout ce temps-là? Tu prétendais que je te plaisais alors qu'en fait... Je suis désolée. Ouais, moi aussi. Je suis désolée, t'as pas à avoir peur de moi. Non, non, ne t'approche pas de moi, espèce de monstre! Sinon, j'envoie cette vidéo à tout le monde. Niam. Je suis désolé. My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. Renseignée concernant Carrie Black, elle est bien là où elle est censée être. Vous êtes sûre? Elle est toujours sous traitement. J'ai appelé son médecin et il l'avait sous les yeux à ce moment-là. Ah, d'accord, je me suis trompée alors. Pourquoi tu as cru qu'elle s'était enfuie? TJ? Mon père est le proprio, mais c'est moi qui ai fait de cet endroit ce qu'il est. Et je le dois entièrement à mon enseignant préféré. Merci, Catherine. Oh, non, je pensais à Mademoiselle Parrish. Est-ce que Mademoiselle Parrish a écrit un bouquin? C'est ce que moi j'ai fait de mes vacances d'été l'an dernier. Ah, donc vous êtes toujours célibataire? 10,99 en magasin, je te le fais à 10,99. C'est pas trop mon truc, les navets tirés par les cheveux, monsieur. Et si je te disais que tu es dedans? Moi? Toi, Kay, Kara, mais si vraiment ça ne t'intéresse pas, c'est... Oh, trop la classe! Moi dans un livre? J'en viens presque à regretter les choses affreuses que j'avais écrites sur vous dans les toilettes. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu avais écrit? C'est sérieux? Elle veut que tu l'emmènes voir Carrie? Ouais. Elle croit que Carrie n'est pas une Wolfblood. Elle veut voir ça de ses propres yeux. Elle croit que je m'en suis pris à Carrie. Tu connais son vrai nom? Non. Où elle habite? Quelque chose qui ne serait pas un mensonge? Je dois prévenir ma mère. Non, ça va pas. Pourquoi? Elle arrangera tout ça, c'est son boulot d'arranger les choses. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire à cette fille? On s'en fiche. Tu sais de quoi ces Goliaths sont capables. Ils sont prêts à tout tant que leur secret n'est pas révélé. Écoute, elle m'a menti. Elle m'a enfermée et là, elle me fait chanter en plus. Je te reproche rien de tout ça. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne veux pas avoir ça sur la conscience, pas toi? Peut-être qu'on peut arranger ça. En lui donnant ce qu'elle demande. Quoi? On trouve Carrie. On prouve à Niam qu'elle n'a rien. On lui montre qu'on n'est pas ses ennemis et on la persuade de garder le secret. On ne sait même pas où est Carrie. Alors on doit le découvrir. Qu'est-ce qui t'a fait penser à Carrie Black? Ça va vous sembler idiot, mais j'ai vu un graffiti signé Carrie. J'ai fait le rapprochement avec le reste et j'ai paniqué. Ça ne te ressemble pas? Ce qui s'est passé avec Carrie me travaille beaucoup. J'ai l'impression d'avoir laissé la situation dégénérer. J'ai pas réussi à l'aider. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous faisons ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus un danger pour elle-même ou pour les autres. Et où est-ce que vous faites ça? Dans l'endroit le plus approprié qui soit. Bien sûr. Mais vous savez, je me sentirais mieux si je pouvais la voir. Et je sais que TJ aussi. Si on pouvait lui expliquer pourquoi on l'a laissé tomber. Ce serait merveilleux. Ah, parfait, alors mais malheureusement, je n'ai pas le droit de divulguer le lieu où elle se trouve actuellement. Je suis tenue par le secret médical. Je veux voir de mes propres yeux qu'elle va bien. Elle va mieux que bien, tu peux me croire. Et concernant Jeffries, où est-ce qu'on en est? C'est réglé. Il va vraiment retirer son livre du marché? Vous pouvez me croire.
Ouais. Elle s'appelle Holly. Et j'ai trouvé une adresse. C'est super. Par contre, ta mère veut pas nous dire où est Carrie. Quoi? T'as dit que tu la trouverais? Je sais. Il y a un autre moyen. Mais j'y arriverai pas sans Niam. Holly. Peu importe. Génial. Alors, on fait quoi? On va sonner à sa porte? Si elle nous voit arriver, elle va croire qu'on vient l'attaquer et elle va diffuser la vidéo. C'est pas nous qui allons sonner à sa porte. Bonjour. Je suis là pour vous proposer un peu de lecture, mademoiselle. Je pense vraiment que vous devriez y jeter un œil. Je sais ce que vous traversez. On m'a envoyé pour mes talents de négociateur. Vous croyez que je pourrais négocier une tasse de thé? Ou un gâteau, peut-être? Moi aussi, j'ai eu peur. Je me suis senti perdu, comme vous. Mais j'ai réussi à vaincre ça. J'ai compris que connaître leur existence est un privilège. Ils sont comme nous. Il y en a des gentils et il y en a des méchants. Mais ceux que vous avez rencontrés ne font pas partie des méchants. Je me moque de savoir qui ils sont. Je veux seulement voir mon ami. Ils ne peuvent pas vous amener Carrie. Mais... ils pourront peut-être vous conduire jusqu'à elle. Vous me croyez vraiment si naïf que ça? Je me porte personnellement garant de votre sécurité. Elle n'aime même pas de lui, cette idée. Il a volé le coup des loups-garous à Liam. Il disait que Maddie en était une. Oui, et puis surtout, il m'a escroqué. Comment ça? Il a dit qu'on était dedans, mais non. Il y a seulement ces trois filles très agaçantes. Jamelia, Jay et Jenara. Ben oui, c'est nous. C'est un livre, il a changé nos noms, tout simplement. Ben, dans ce cas, il est complètement à côté de la plaque. Il te décrit comme une débile. Elle est venue. D'accord. Salut, Holly. T'en es une aussi, c'est ça? C'est ce qu'il m'a dit. Et il a dû te dire que tu peux me faire confiance. J'ai mis la vidéo en ligne sur des sites sécurisés. Et à minuit, le mot de passe sera envoyé à tous les gens que je connais automatiquement. À moins que j'annule l'envoi. T'es pas sérieuse? Laisse tomber ton rôle de super méchante. Je veux bien t'aider, mais je n'apprécie pas ta façon de faire. Ah oui, parce que j'ai menti sur mon identité? C'est ce que vous faites absolument tous les jours. T'as amené une affaire appartenant à Carrie? Tiens, je vois pas l'intérêt, mais... on appelle ça Antium. Dans mon roman, j'ai mis Oignon. Oignon? Oignon, ça s'écrit avec une apostrophe. C'est d'origine française. Jamelia n'avait pas inventé l'eau chaude. Il y avait une rumeur qui circulait à l'école disant qu'elle était convaincue que la télévision existait déjà jadis. Lorsqu'on voulait la détromper, elle disait « Comment vous expliquer Downton Abbey alors ?» Il est gonflé. Se moquer de toi comme ça. C'est toi qui as dit ça. TJ n'est pas là? Tu es venu te rabibocher avec lui, hein? Tu crois que Célina et TJ sont... Je t'en prie, prends-le et lis-le. Et dis-nous qui a inspiré le personnage un peu stupide, selon toi? Ah, et vous pouvez sauter les passages avec les loups, c'est n'importe quoi. De la musique. Très forte. De l'effervescence. De la nervosité. Carrie n'est pas censée être là, toi non plus. Tu appelles ta maman? Vous n'arrêtez pas de rire, toutes les deux. Tu enlèves ton uniforme et tu mets ce pull. Carrie me l'avait prêté pour aller à un concert. On n'avait pas le droit d'y aller, mais on a dit qu'on allait... aider aux visites de l'école. Carrie est inquiète. Elle ne veut pas être virée de son école et emmenée dans une nouvelle. La nôtre. Ça l'ouvre. Ça la dévore de l'intérieur. C'est pas ce qu'elle veut. Il lui faut de l'aide. Elle essaye de te dire, mais... Tu crois vraiment qu'un petit tour de télépathie va changer quelque chose? Alors,
Vous m'emmenez voir Carrie ou quoi? Je dois d'abord établir une connexion. Et dans mon livre, j'ai appelé ça... D'accord, tout le monde s'en fiche. Merci pour ce coup de fil extrêmement compromettant pour moi. Salut Becca. Toujours pas le permis, Tim? C'est par choix, Dr. Whitewood. Tiens, c'est donc. Par choix. C'est Imara que tu aurais dû appeler. Je vous ai choisi parce que je sais que vous ne laisserez pas quelqu'un souffrir. Au fait, c'est toi qui vas payer ce que tu as démoli l'autre jour. Génial. J'adore payer pour m'être fait kidnapper. Vous êtes humaine, après tout. Et pourtant, on vous a confié notre secret. Est-ce qu'elle ne mérite pas, elle aussi, cette chance? Tout le monde devrait l'avoir. Il y a des caméras partout, là-bas. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? T'aimes vraiment les baskets? Non. Et le skateboard? Non. Donc t'as menti sur toute la ligne? Dixit, le plus gros menteur de tous. J'ai jamais fait semblant avec toi. Tu sais, le pire, c'est que je suis probablement plus comme toi que comme eux. Mes amis se transforment, mais moi, j'y arrive pas encore. Je ne devrais pas te le dire, mais... Quoi? Je me suis discrètement renseignée sur Carrie, mais ce que j'ai appris ne va pas trop te plaire. Apparemment, elle ne répond pas bien au traitement. Ça veut dire quoi? Ils l'ont mise sous sédatif pour maîtriser ses impulsions trop violentes. Sous sédatif? C'est ça, leur thérapie? Écoute, l'important, c'est que si cette fille la voit dans cet état, cela pourrait avoir l'effet inverse de ce que tu veux. La vidéo atteindra des millions de vues d'ici demain matin et on sera grillé chez Ségolia. En fait, on risque même d'être grillé tout court. Je n'ai jamais dit que King Kong avait été le premier souverain de Grande-Bretagne. C'était toi? Tu déformes complètement ce qui s'est passé. Et la fois où tu as dit que dans la mer de la tranquillité, on pouvait se baigner? C'est toi qui as dit ça. Tu sais quoi? Monsieur Jeffries avait raison pour une chose. Tu n'as vraiment pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Est-ce que tu me traites d'idiot? Qu'est-ce que t'en penses, Jamelia? Tu veux savoir? Dans la suite du roman, il n'y aura plus les 3 J, ni même les 2 J. Il n'y aura plus qu'une seule J. Ce livre est vraiment pourri. En tant qu'homo sapiens à une autre, je te recommande vivement de laisser tomber. Non. Jenna l'a bien dit en faisant son truc de l'oignon. Carrie avait besoin d'une amie pour l'aider, et ça aurait dû être moi. Tous les deux, vous restez dans la voiture. Personne n'a besoin de savoir que vous étiez là. Et comment vous comptez éviter les caméras? Je trouverai bien un truc. Non. Je vais les distraire. Quoi? Tim. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Monsieur! Chut! Bonjour! Bonjour! Y'a quelqu'un? Ouh! Dites, excusez-moi, mais... Je me demandais... N'aie pas peur, je te rattrape. Est-ce que ma carte d'enseignant me permet d'entrer ici gratuitement? Pas la peine, merci. Ou alors ma carte de bibliothèque? Ma carte de transport, peut-être? Non, toujours pas. Ou une carte de fidélité. Bon, mettez ça. Tu rigoles? Tu préfères que ta mère te voie sur la vidéo de surveillance? Bien un cappuccino. Avec du lait de soja, par exemple. On en trouve? J'en sais rien. Quelque part où ils ne sentiront pas ton odeur d'humaine. C'est-à-dire? Ou alors... Allez, on y va. Un expresso? Avec un muffin, ça serait possible? Eh oh! Vous allez sortir, là? C'est ça? Oui. D'accord. Non, je... Salut! Où est-ce qu'ils sont passés? Quelle importance. Allez, qu'on en finisse. Tu sais, il n'y a que des Wolfblood ici.
t'en as conscience. Bon. Holly. Elle ne sera peut-être plus la Carrie que tu as connue. Quoi ? On doit s'attendre à tout. Quoi qu'il lui soit arrivé, c'est de ma faute. Non, pas du tout. Je lui ai menti en disant que je pourrais l'aider. C'est de ma faute. Faut pas traîner. Il n'y a plus personne. J'en sais rien. Il se passe quelque chose. J'aime pas ça du tout. Allons-y. Il faut continuer. C'était vous ? C'était pas moi. D'accord. Attendez. On doit faire ça vite. Laissez-moi lui parler, cela seul. S'il vous plaît, seulement une minute. Carrie ? Oh, Holly. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Je vais te faire sortir d'ici. Je vais bien. Le traitement est efficace. Ils ont bien pris soin de moi. Ils m'ont montré mon vrai moi. Tu veux dire que cette histoire de Wolfblood, c'était la vérité ? Ouais, tout est vrai. Oh. C'est le début d'une nouvelle vie, Holly. C'est qu'Olia va m'installer quelque part où personne ne me connaît. Mais pourquoi tu rentres pas chez toi ? On me poserait trop de questions. Et je ne pourrais pas fournir d'explications. C'est plus facile comme ça. Facile, tu crois ? Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Et si tu es l'incroyable, la merveilleuse, la fantastique amie que je sais que tu es, tu oublieras l'existence des Wolfblood. Tu nous oublieras tous. Tu me le promets ? Je te le promets. Jenna, ça fait trop longtemps qu'on est là. Je sais.
Ça semble trop facile. On doit s'en aller. Il faut qu'on file. Par la fenêtre. S'il te plaît, viens avec nous. Oli, dépêche. On s'en va. Il faut que tu t'en ailles. Pour moi, maintenant. Maintenant! Allez, vite! Eh bien, j'ai rigolé pendant des heures. Le grand et beau professeur prit la belle scientifique dans ses bras et lui dit « Il y a un loup au fond de moi aussi. » Tout sonne toujours faux quand c'est hors contexte, Rebecca. Oh, mais je te dis ça en tant qu'amie. Il n'y a pas que les dialogues, tout est raté. C'est bourré de clichés, de mauvaises métaphores, de jeux de mots affreux. En plus, c'est censé être un roman écrit pour de jeunes adultes et le héros est un prof qui a la trentaine. Non, la vingtaine. Vite, vous en allez. Vite Ils sont derrière nous. Allez, vite! Démarrez la voiture, Jeffrey! On doit s'en aller! Oh, allez! Les Men in Black! Vite! Les Men in Black! Les Men in Black! Et démarrez! On s'en va! Vite! Ouais! Tu as été parfaite, Gary. Je te félicite. La Terre appelle Mattei. Hey, y a quelqu'un? Oui, entendu. Oh, voilà, J.K. relou. Oui. Vous faites passer K pour une idiote dans votre livre. Et on s'est disputé à cause de vous. Vous savez ce que vous pouvez faire de votre bouquin. Débarrassez-vous-en. Mais d'abord, rendez-moi mon argent. C'est moi l'auteur, mais ne t'en fais pas, je ne te demanderai pas ce que tu en as pensé. J'ai trouvé ça intéressant. Ah oui? En particulier ce qui arrive après. À venir, Blood Wolf, tome 2, la guerre contre les humains. Je savais pas que t'aimais lire. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ignores. C'est l'un d'entre nous, monsieur. Tous les trois, en fait. Je ne suis pas un écrivain, de toute façon. Moi, j'ai bien aimé votre histoire. Surtout l'héroïne. Ça m'a donné envie d'être plus comme elle. Merci, Jana. Merci à vous, monsieur. Le monde n'est pas encore prêt pour les Wolfblood. Plus vite il le comprendra, et mieux il se sentira. Salut. J'ai effacé la vidéo et j'ai annulé l'envoi des messages. Ok. Quand tu as dit que tu ne faisais pas semblant avec moi, tu le pensais vraiment? Parce que si jamais tu avais envie de me téléphoner, ça me conviendrait. Ça marcherait jamais. D'accord, je me suis trompée alors. Pourquoi tu as cru qu'elle s'était enfuie? TJ? Mon père est le proprio, mais c'est moi qui ai fait cet endroit ce qu'il est. Et je le dois entièrement à mon enseignant préféré. Merci, Katrina. Oh, non, je pensais à Mademoiselle Parrish. Est-ce que Mademoiselle Parrish a écrit un bouquin?
C'est ce que moi j'ai fait de mes vacances d'été l'an dernier. Ah, donc vous êtes toujours célibataire. 10,99 en magasin, je te le fais à 10,99. C'est pas trop mon truc, les navets tirés par les cheveux, monsieur. Et si je te disais que tu es dedans? Moi? Toi, Kay, Kara, mais si vraiment ça ne t'intéresse pas... Oh, trop la classe! Moi dans un livre? J'en viens presque à regretter les choses affreuses que j'avais écrites sur vous dans les toilettes. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu avais écrit? C'est sérieux? Elle veut que tu l'emmènes voir Carrie? Ouais. Elle croit que Carrie n'est pas une Wolfblood. Elle veut voir ça de ses propres yeux. Elle croit que je m'en suis pris à Carrie. Tu connais son vrai nom? Non. Où elle habite? Quelque chose qui ne serait pas un mensonge? Je dois prévenir ma mère. Non, ça va pas. Pourquoi? Elle arrangera tout ça, c'est son boulot d'arranger les choses. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire à cette fille? On s'en fiche. Tu sais de quoi Ségolia est capable. Ils sont prêts à tout tant que leur secret n'est pas révélé. Écoute, elle m'a menti. Elle m'a enfermée et là, elle me fait chanter en plus. Je te reproche rien de tout ça. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne veux pas avoir ça sur la conscience, pas toi? Peut-être qu'on peut arranger ça. En lui donnant ce qu'elle demande. Quoi? On trouve Carrie. On prouve à Niamh qu'elle n'a rien. On lui montre qu'on n'est pas ses ennemis et on la persuade de garder le secret. On ne sait même pas où est Carrie. Alors on doit le découvrir. Qu'est-ce qui t'a fait penser à Carrie Black? Ça va vous sembler idiot, mais j'ai vu un graffiti signé Carrie. J'ai fait le rapprochement avec le reste et j'ai paniqué. Ça ne te ressemble pas? Ce qui s'est passé avec Carrie me travaille beaucoup. J'ai l'impression d'avoir laissé la situation dégénérer. J'ai pas réussi à l'aider. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous faisons ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus un danger pour elle-même ou pour les autres. Et où est-ce que vous faites ça? Dans l'endroit le plus approprié qui soit. Bien sûr. Mais vous savez, je me sentirais mieux si je pouvais la voir. Et je sais que TJ aussi. Si on pouvait lui expliquer pourquoi on l'a laissé tomber. Ce serait merveilleux. Ah, parfait, alors mais malheureusement, je n'ai pas le droit de divulguer le lieu où elle se trouve actuellement. Je suis tenue par le secret médical. Je veux voir de mes propres yeux qu'elle va bien. Oui, cette idée. Il a volé le cou des loups-garous à Liam. Il disait que Maddie en était une. Oui, et puis surtout, il m'a escroqué. Comment ça? Il a dit qu'on était dedans, mais non! Il y a seulement ces trois filles très agaçantes, Jamelia, Jay et Jenara. Ben oui, c'est nous. C'est un livre, il a changé nos noms, tout simplement. Ben, dans ce cas, il est complètement à côté de la plaque. Il te décrit comme une débile. Elle est venue. D'accord. Salut, Holly. T'en es une aussi, c'est ça? C'est ce qu'il m'a dit. Et il a dû te dire que tu peux me faire confiance. J'ai mis la vidéo en ligne sur des sites sécurisés. Et à minuit, le mot de passe sera envoyé à tous les gens que je connais automatiquement. À moins que j'annule l'envoi. T'es pas sérieuse? Laisse tomber ton rôle de super méchante. Je veux bien t'aider, mais je n'apprécie pas ta façon de faire. Ah oui, parce que j'ai menti sur mon identité? C'est ce que vous faites absolument tous les jours. T'as amené une affaire appartenant à Carrie? Tiens, je vois pas l'intérêt, mais... On appelle ça Antium. Dans mon roman, j'ai mis Oignon. Oignon? Oignon, ça s'écrit avec une apostrophe. C'est d'origine française. Jamelia n'avait pas inventé l'eau chaude. Il y avait une rumeur qui circulait à l'école disant qu'elle était convaincue que la télévision existait déjà jadis. Lorsqu'on voulait la détromper, elle disait « Comment vous expliquer Downton Abbey, alors ?» Il est gonflé. Se moquer de toi, comme ça. C'est toi qui as dit ça. TJ n'est pas là? Tu es venu te rabibocher avec lui, hein? Tu crois que Célina et TJ sont... Je t'en prie, prends-le et lis-le. Et dis-nous qui a inspiré le personnage un peu stupide, selon toi. Ah, oh, et vous pouvez sauter les passages avec les loups, c'est n'importe quoi. De la musique, très forte, de l'effervescence, de la nervosité. Carrie n'est pas censée être là, toi non plus.
Tu appelles ta maman? Vous n'arrêtez pas de rire, toutes les deux. Tu enlèves ton uniforme et tu mets ce pull. Carrie me l'avait prêté pour aller à un concert. On n'avait pas le droit d'y aller, mais on a dit qu'on allait... Aider aux visites de l'école. Carrie est inquiète. Elle ne veut pas être virée de son école et emmenée dans une nouvelle. La nôtre. Ça l'ouvre. Ça la dévore de l'intérieur. C'est pas ce qu'elle veut. Il lui faut de l'aide. Ségolia va m'installer quelque part où personne ne me connaît. Mais pourquoi tu rentres pas chez toi? On me poserait trop de questions. Et je ne pourrais pas fournir d'explications. C'est plus facile comme ça. Facile, tu crois? Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Et si tu es l'incroyable, la merveilleuse, la fantastique amie que je sais que tu es, tu oublieras l'existence des Wolfblood. Tu nous oublieras tous. Tu me le promets? Je te le promets. Jenna, ça fait trop longtemps qu'on est là. Je sais. Ça semble trop facile. On doit s'en aller. Il faut qu'on file. Par la fenêtre. S'il te plaît, viens avec nous. Oli, dépêche. On s'en va. Il faut que tu t'en ailles. Pour moi, maintenant. Maintenant. Allez, vite. Eh bien, j'ai rigolé pendant des heures. Le grand et beau professeur prit la belle scientifique dans ses bras et lui dit « Il y a un loup au fond de moi aussi. » Tout sonne toujours faux quand c'est hors contexte, Rebecca. Oh, mais je te dis ça en tant qu'amie. Il n'y a pas que les dialogues, tout est raté. C'est bourré de clichés, de mauvaises métaphores, de jeux de mots affreux. En plus, c'est censé être un roman écrit pour de jeunes adultes et le héros est un prof qui a la trentaine. Non, la vingtaine. Vite, on s'en allait. Vite. Ils sont derrière nous. Allez, vite. Démarrez la voiture, Jeffrey. On doit s'en aller. Oh, allez. Les Men in Black. Vite. Les Men in Black. Les Men in Black. Démarrez. On s'en va. Vite. Ouais. Tu as été parfaite, Carrie. Je te félicite. La Terre appelle Mattei. Hé, hey, y a quelqu'un? Oui, oui, entendu. Oh, voilà, J.K. relou. Oui. Vous faites passer K pour une idiote dans votre livre. Et on s'est disputé à cause de vous. Vous savez ce que vous pouvez faire de votre bouquin? Débarrassez-vous-en. Mais d'abord, rendez-moi mon argent. C'est moi l'auteur, mais ne t'en fais pas, je ne te demanderai pas ce que tu en as pensé. Je sais que vous ne laisserez pas quelqu'un souffrir. Au fait, c'est toi qui vas payer ce que tu as démoli l'autre jour. Génial. J'adore payer pour m'être fait kidnapper. Vous êtes humaine, après tout. Et pourtant, on vous a confié notre secret. Est-ce qu'elle ne mérite pas, elle aussi, cette chance? Tout le monde devrait l'avoir. Il y a des caméras partout, là-bas. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? T'aimes vraiment les baskets? Non. Et le skateboard? Non. Donc t'as menti sur toute la ligne. Dixit, le plus gros menteur de tous. J'ai jamais fait semblant avec toi. Tu sais, le pire, c'est que je suis probablement plus comme toi que comme eux. Mes amis se transforment, mais moi, j'y arrive pas encore. Je ne devrais pas te le dire, mais... Quoi ? Je me suis discrètement renseignée sur Carrie, mais ce que j'ai appris ne va pas trop te plaire. Apparemment, elle ne répond pas bien au traitement. Ça veut dire quoi? Ils l'ont mis sous sédatif pour maîtriser ses impulsions trop violentes. Sous sédatif? C'est ça, leur thérapie? Écoute, l'important, c'est que si cette fille la voit dans cet état, cela pourrait avoir l'effet inverse de ce que tu veux. La vidéo atteindra des millions de vues d'ici demain matin et on sera grillé chez Ségolia.
En fait, on risque même d'être grillé tout court. Je n'ai jamais dit que King Kong avait été le premier souverain de Grande-Bretagne. C'était toi. Tu déformes complètement ce qui s'est passé. Et la fois où tu as dit que dans la mer de la tranquillité, on pouvait se baigner. C'est toi qui as dit ça. Tu sais quoi? Monsieur Jeffries avait raison pour une chose. Tu n'as vraiment pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Est-ce que tu me traites d'idiot? Qu'est-ce que t'en penses, Jamelia? Tu veux savoir? Dans la suite du roman, il n'y aura plus les 3 J. Ni même les 2 J. Il n'y aura plus qu'une seule J. Ce livre est vraiment pourri. En tant qu'homo sapiens à une autre, je te recommande vivement de laisser tomber. Non. Jenna l'a bien dit en faisant son truc de l'oignon. Carrie avait besoin d'une amie pour l'aider, et ça aurait dû être moi. Tous les deux, vous restez dans la voiture. Personne n'a besoin de savoir que vous étiez là. Et comment vous comptez éviter les caméras? Je trouverai bien un truc. Non. Je vais les distraire. Quoi? Tim. Non! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Monsieur! Chut! Bonjour! Bonjour! Y'a quelqu'un? Ouh! Tu es parfaite, Carrie. Je te félicite. La Terre appelle Mattei. Hé, hey, y a quelqu'un? Oui, oui, entendu. Oh, voilà, JK relou. Oui. Vous faites passer K pour une idiote dans votre livre. Et on s'est disputé à cause de vous. Vous savez ce que vous pouvez faire de votre bouquin? Débarrassez-vous-en. Mais d'abord, rendez-moi mon argent. C'est moi l'auteur, mais ne t'en fais pas, je ne te demanderai pas ce que tu en as pensé. J'ai trouvé ça intéressant. Ah oui? En particulier ce qui arrive après. Avenir. Blood Wolf, tome 2. La guerre contre les humains. Je savais pas que t'aimais lire. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ignores. C'est l'un d'entre nous, monsieur. Tous les trois, en fait. Je ne suis pas un écrivain, de toute façon. Moi, j'ai bien aimé votre histoire. Surtout l'héroïne. Ça m'a donné envie d'être plus comme elle. Merci, Jana. Merci à vous, monsieur. Le monde n'est pas encore prêt pour les Wolfblood. Plus vite il le comprendra, et mieux il se sentira. Salut. J'ai effacé la vidéo et j'ai annulé l'envoi des messages. Ok. Quand tu as dit que tu ne faisais pas semblant avec moi, tu le pensais vraiment? Parce que si jamais tu avais envie de me téléphoner, ça me conviendrait. Ça marcherait jamais. Et voir Carrie ou quoi? Je dois d'abord établir une connexion. Et dans mon livre, j'ai appelé ça... D'accord, tout le monde s'en fiche.
Merci pour ce coup de fil extrêmement compromettant pour moi. Salut, Becca. Toujours pas le permis, Tim? C'est par choix, Dr. Whitewood. Tiens c'est donc. Par choix. C'est Imara que tu aurais dû appeler. Je vous ai choisi parce que je sais que vous ne laisserez pas quelqu'un souffrir. Au fait, c'est toi qui vas payer ce que tu as démoli l'autre jour. Génial. J'adore payer pour m'être fait kidnapper. Vous êtes humaine, après tout. Et pourtant, on vous a confié notre secret. Est-ce qu'elle ne mérite pas, elle aussi, cette chance? Tout le monde devrait l'avoir. Il y a des caméras partout, là-bas. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? T'aimes vraiment les baskets? Non. Et le skateboard? Non. Donc t'as menti sur toute la ligne. Dixit, le plus gros menteur de tous. J'ai jamais fait semblant avec toi. Tu sais, le pire, c'est que je suis probablement plus comme toi que comme eux. Mes amis se transforment, mais moi, j'y arrive pas encore. Je ne devrais pas te le dire, mais... Quoi ? Je me suis discrètement renseignée sur Carrie, mais ce que j'ai appris ne va pas trop te plaire. Apparemment, elle ne répond pas bien au traitement. Ça veut dire quoi? Ils l'ont mise sous sédatif pour maîtriser ses impulsions trop violentes. Sous sédatif? C'est ça, leur thérapie? Écoute, l'important, c'est que si cette fille la voit dans cet état, cela pourrait avoir l'effet inverse de ce que tu veux. La vidéo atteindra des millions de vues d'ici demain matin et on sera grillé chez Ségolia. En fait, on risque même d'être grillé tout court. Je n'ai jamais dit que King Kong avait été le premier souverain de Grande-Bretagne. C'était toi. Tu déformes complètement ce qui s'est passé. Et la fois où tu as dit que dans la mer de la tranquillité, on pouvait se baigner, c'est toi qui as dit ça. Tu sais quoi? Monsieur Jeffries avait raison pour une chose. Tu n'as vraiment pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Est-ce que tu me traites d'idiot? Qu'est-ce que t'en penses, Jamelia? Tu veux savoir? Dans la suite du roman, il n'y aura plus les 3 J, ni même les 2 J. Il n'y aura plus qu'une seule J. Ce livre est vraiment pourri. En tant qu'homo sapien à une autre, je te recommande vivement de laisser tomber. Non,